Cafouille dans son territoire. On lui a enlevé la rondelle. Le tir de Blake a été stoppé par De La Fontaine. Bel arrêt du gardien des Cataractes qui est venu réparer la bourbe. Si on prend, il est dans le coin. À la droite, un tir qui a été stoppé par De La Fontaine. Pas de retour là-dessus. Il est solide, le jeune gardien des Cataractes depuis le début du match. C'est toujours 0-0. Ouais, depuis qu'il a réussi. Le joueur de l'Océanique a perdu la rondelle. Pour là, qui va donner un tir, un bon lancé. Amélan fait la relève. La rondelle est à ses pieds. Ça va amener à la ligne bleue. Tir qui a raté au-dessus du filet. C'est toujours 0-0. 10 minutes 11 à faire en première période. C'est le hockey des Cactos 106-9 par ici. Petite zone de l'Océanique, c'est Coughlin. Coughlin dans le territoire des Cataractes. Il est au centre. Il évite un adversaire devant De La Fontaine. Tir bloqué. De La Fontaine qui a réussi à stopper sa glissade avec la rondelle à l'extérieur du filet. 5 minutes 37 à jouer en première période. C'est toujours 0-0. C'est le hockey des Cataractes au 106-9 pour ici. Mais c'est quand même repris par Fillon. Achprinard à la ligne bleue. À Brunet. Brunet à droite dans la cave. Oh, quel arrêt de Rémi De La Fontaine avec la mitaine. Vient frustrer l'attaquant de l'Océanique. Il y a un 14e arrêt pour le jeune gardien des Cataractes. C'était un tir papillon. Manquait un peu de vélocité là-dessus. Mais quand même, il était décoché sur réception à contre-courant. Donc, c'était vraiment pas évident comme séquence. Travers et rondelle qui lui est enlevée par Fillon. Dumoulin qui passe à Fillon qui va s'échapper devant De La Fontaine. Fillon le tire et le but. Quel lancé du revers de Xavier Fillon qui fait 1-0. Océanique, ben là, De La Fontaine n'y pouvait rien. Non, parce que Lou-Félix Denis a été trop gourmand. Il patinait sur la ligne bleue des Cataractes. Il n'y a personne derrière lui. Claude, il est revenu lui-même vers les défenseurs. Et alors que deux joueurs tenaillaient, il a quand même tenté de les battre. Les deux lui-même. Ça n'a pas fonctionné. Fillon s'est échappé et il bat De La Fontaine. Alors qu'il tentait d'entrer chez les Cataractes, a perdu la rondelle. Aguilar reprend derrière, envoie les quatre derrière leur filet gardien. De La Fontaine qui a vu la rondelle sauter par-dessus son bâton, mais vif comme un chat. Il a plongé sur cette rondelle qui se promenait devant son filet. Bien, parce que la rondelle était soutiante. Encore une fois, Claude, la surface de jeu ne me paraît pas être optimale. Et de la face à la pointe droite, ça s'en va vers Alexandre Blais. Blais passe à Gauthier sur réception. Et le but! 2-0 Océanique. Tire sur réception de Gauthier qui bat De La Fontaine à contre-courant. C'est un bon tir, mais surtout, ça récompense les efforts de l'Océanique. Premier sur la rondelle. L'échec avant est mordant. La défensive des Cataractes est vraiment embêtée par l'ardeur déployée par les visiteurs. Baptiste Aguilar. Aguilar, la longue passe réussie à l'aile gauche. Et c'est Mathieu qui envoie vers Bellan le tir. Et là, c'est le but! 3-0 en faveur de l'Océanique. Mais il y avait 6 joueurs en blanc du côté de Rimouski. Et les officiels vont-ils se consulter? Écoute, je ne sais pas s'il y avait 6 blancs, mais il y avait 6 jaunes. Ça, c'est sûr et certain, Claude. 6 joueurs des Cataractes, mais ça n'a pas été suffisant pour arrêter l'Océanique. Brunet dans le territoire des Cataractes. Il était attendu par un joueur en chandail jaune. Rondelle qui est libre, reprise par l'Océanique. De l'enclave, Fillon passe à droite vers Dumoulin. Tirez le but! Oh, quel lancé de William Dumoulin! Et c'est 4-0 Rimouski. Bon, tu donnes du temps, tu donnes de l'espace à un joueur junior majeur, il va te faire mal. C'est exactement ce qu'a fait Dumoulin, droitier, qui était fin seul au cercle de mise en jeu à la droite, Claude. Il a pris bien son temps et il a trouvé l'ouverture par-dessus l'épaule. Les Cataractes incapables de sortir de leur territoire. Fillon, Canarodel à la pointe droite, une passe avant Cardio qui a fait dévier. Cournoyer fait l'arrêt. Dégagement des Cataractes ensuite en territoire central. Brunet, Canarodel dans la zone de le CC Pearson. C'est beau de Canarodel dans le coin à la gauche. Un tir bloqué par Amerla malgré la présence de Denis. Et surtout, Amerla n'accorde pas de retour. Mise en jeu dans son territoire. Wow. Tir totalement inoffensif à l'extérieur de la petite glace en avantage numérique alors que tu es tout près de la rampe, Claude.